Dis-moi que c'est une simple visite de courtoisie. Tout à fait. J'aimerais courtoisement utiliser tes particules de PIM pour rapetisser un accélérateur. Dans ce cas, tu vas devoir pénétrer dans un complexe sécurisé de l'AIM. Méridian, ça te parle ? Ça va pas être facile. Cet endroit est une vraie forteresse. Widow ? Je dois dire que tu mâches pas tes mots quand tu te mets en rogne. Écoute, Nat. On a été stupides. Je suis... C'est bon. J'adore te voir ramper, mais on a du boulot. Je peux nous faire entrer dans Méridian. Nous ? On est toujours une équipe, non ? Pas de temps à perdre. L'AIM a confisqué toutes mes recherches quand j'ai été capturé. Ils ne savent pas comment utiliser les particules, mais elles devraient être bien protégées. Bon, il n'y a pas 36 moyens d'entrer dans Méridian. Je crois que le plus simple serait de nous emparer d'un de leurs trains hyper-circuits pour rejoindre directement le cœur des opérations. Je peux pirater le train, mais ça risque d'exposer la fourmilière. L'AIM sera en mesure de nous localiser. Vous devrez faire vite. Alors on fonce et on détruit la base. Parfait. J'adore les approches directes. J'ai infiltré l'AIM pendant des années, mais j'ai jamais réussi à voir Méridian. On dirait que tu vas enfin avoir cette chance, Nat. Je vous envoie les coordonnées de l'entrée du poste d'hypercircuit. Allons-y. Alors, combien de bases de recherche ultra-secrètes peut bien posséder l'AIM ? Un peu trop. Mais Méridian est la plus importante, avec celle de New York. De devoir intégrer les particules de PIM à ton armure ? Oh, qu'on a dans le crâne, mais ces particules de PIM sont instables, au mieux. S'il arrive à les faire fonctionner, ça nous facilitera grandement la tâche. Alors, prions pour un miracle. Vous savez, je vous entends toujours, hein ? Ah non, Nat, pas encore. Désolé, on change de canal. J'aimerais pas être à votre place. Protégé par un champ de force. Détruisez sa source d'énergie et je pourrai pirater leur système et appeler un train. Compris.
leur compte. Ennemi repéré! Attention, on a de la compagnie! Leur système de sécurité est plutôt coriace. Il me faut plus de temps. Oui, on a besoin de ce train.
près. Mais l'alerte générale a été donnée. Ravec. Tout le monde à bord. Sérieusement, Tony? Contrôle de sécurité validé, Docteur Belova. Vous pouvez embarquer quand vous le souhaitez. Belova? Un de mes anciens alias. Bon sang, l'AIM a été repéré près de la fourmilière. Il nous faut ces particules au plus vite. On a peut-être plus le temps, Hank. Je pense que si. On y est presque. On peut pas repartir les mains vides. Bon sang, l'AIM n'a pas chômé. Je détecte une signature de particules de PIM émanant de la base. Je mets à jour votre ATH. C'est pour ça que je t'aime, Jarvis. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Bon sang, Avengers, on a un problème. Je crois que l'AIM a détecté mon piratage. Je reçois des messages d'alerte dans le périmètre de la fourmilière. Vous devez récupérer cet échantillon de particules et revenir ici au plus vite. Même si on le trouve, je suis pas sûr. Attendez, je crois que j'ai trouvé un moyen de vous ramener. Je commence à fatiguer. Ça va te faire un choc. Thank you.
serai assez patiente. Qui a dit que je ne sortais pas? Échantillon. On va se téléporter? Oh, je sens que ça va me plaire. Faites vite, ils seront bientôt là. Avengers, faites vite! Où sont les particules de... Ramenez-nous immédiatement à la fourmilière. Ils ont besoin de notre aide. Vous avez les particules? Je vais les apporter. On a besoin de vous en première ligne, Avengers. Je vous ça risque de jouer un peu. Merci. Je vais rapporter les particules au Dr. Pym. C'est quoi cet endroit? Résistant, tu peux nous renseigner? Nous sommes dans une planque près de la fourmilière. Pas si planqué que ça, on dirait. J'en ai marre d'être un génie? Non, pas vraiment. Merde, j'aime pas ça! La magie.
quelques minutes. On va lui régler son compte. Sur ses pattes. Bon travail. Ces aérations latérales semblent surchauffées. Visez-les. Concentrez-vous sur son œil. Les aérations latérales sont à nouveau vulnérables.
attention, elle se cabre. Attention, je détecte une forte signature de téléportation. Ah, c'est pas vrai! Hank, il faut évacuer la fourmilière, maintenant! Je ne crois pas, non. Hank,
Le truc a pas l'air au point. Allez, Tony, où est passé ton petit grain de folie? Incroyable! Ça a marché! Félicitations, Dr. Pym. La Résistance possède une nouvelle arme impressionnante. Ils sont plutôt mignons quand ils sont tout petits. Merci, mes amis. Je vous suis redevable. Merci pour votre aide. Je vais faire envoyer des particules de Pym aux chimères. Merci, Doc. Je sais que tu ne m'écouteras pas, mais je vais le dire quand même. Sois prudent. Je ferai de mon mieux. Voici les particules promises par le Dr. Pym. Bonne chance, Iron Man. Merci. Je vais en avoir besoin. Et donc, c'est quoi exactement Starboost ? Rejoins-moi à mon labo, petite. Tu verras par toi-même. Tous les essais précédents se sont mal finis. Mais avec cet accélérateur miniature, j'ai peut-être une chance. Ça a l'air génial. Parce que ça l'est. Un projet de 1,4 milliard de dollars. Je vais peut-être prendre feu au décollage, mais je le ferai avec classe. Tous les systèmes sont opérationnels, monsieur. Cependant, une forte tempête se trouve sur votre trajectoire de vol. Super, toujours des complications. Bon, on peut plus attendre, Jarvis. Tony, j'ai chargé un peu de musique pour te donner la pêche. Oh non. T'inquiète pas, c'est pas la mienne. Allez, tu vas y arriver. Merci, petite. Bon. 3, 2, 1. Mes circuits. Camarades, Jarvis, vous m'entendez? Allez, bon sang, les systèmes commencent à s'affoler. Jarvis, camarades. Jarvis, j'ai pris feu. Éjecte le propulseur. Faut le faire manuellement. Ah!
Un atterrissage parfait. Bon sang. Ces répulseurs sont presque à sec. Avec un peu de chance, il n'y aura pas beaucoup de gardes dans le coin. Bon, voyons ce qu'on a là. Une petite minute. Ça n'a aucun sens. Une formule de régénération. Ça pourrait expliquer la grosse tête de Tarleton. Voilà sa source. Probablement un inhumain malchanceux. Ok, trouvons cette porte. Rien de plus facile. Je sauve cet inhumain. Plus de formules de régénération, plus d'adaptoïdes, et tout le monde est content. La poussière spatiale partout. Il doit pas y avoir beaucoup de passages par ici. Il faut monter. Ah oui, ça doit être moi. Si ça n'a pas réveillé les gardes robotiques, rien ne le pourra.
réveiller les robots chiens de garde en force absence. Ils sont peut-être là pour empêcher quelque chose de sortir. Pas d'entrée. Bingo. Oh non. C'est pas du tout inquiétant. Dis-moi que t'es vivant. Steve. Steve. C'est pas vrai, t'es vivant. Tony. Qu'est-ce? C'est quoi tous ces trucs? Où est-ce qu'on est? Je te tiens, mon pote. Tony. Tu me serres dans tes bras? Ah non, je... Je voulais pas que tu tombes. Alors pourquoi tu me lâches pas? Oh, c'est juste qu'on pensait... Enfin, je pensais que... C'est bon de te revoir, Cap. Je comprends rien. Ouais, allez, viens. Il faut que tu sortes de là. On bouge. Mais attends. Et Tarleton? Il est vivant? Tarleton? On s'en fiche, non? Mais l'explosion, il était là. Il a survécu. Grâce à toi, apparemment. Et Monica, si on en croit les journalistes. Ça n'a aucun sens. C'est bon, je te tiens. L'évacuation. Tous ces gens. Ouais, on en reparlera plus tard. Tu peux marcher? Ouais, ça va aller. Je vais bien. Allons-y. Voilà le cap que je connais. Allez. Bon. Quel est le plan? On trouve une capsule de sauvetage et... on s'échappe. T'improvises là, non? Ouais. Je pensais pas survivre jusqu'ici, à vrai dire. Ouais. Tony, où sont les autres? Où est-ce qu'on est? Oh, eh ben, dans l'espace. Oh. C'était pas une blague. Non. T'es sûr d'y arriver, Cap? Ça va aller. Je manque juste de l'entraînement. C'est comme le vélo, hein? On doit descendre. Prêt à sauter? Tony? Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Combien de temps j'ai été? 5 ans? Mais t'as déjà fait bien pire. C'est comme une petite sieste pour toi. Je commence à croire que les gens préfèrent en glaçon. Ah, tu vois? Tu fais déjà des blagues. Un peu nul, mais ça, c'est pas nouveau. Capitaine Rogers. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas nous quitter si vite? Monica, ça fait un bail. J'imagine que ton ami Tarleton n'était pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser du sang de super-héros pour remplacer les super-héros. C'est moi qui m'occupe des détails. Plus un geste maintenant. Attends une minute. George ne sait rien de tout ça. Et c'est très bien comme ça. Oh oh. Je crois qu'on l'a mise en colère.
Tony ? Je fais ce que je peux. C'est bon, allons-y. Quoi ? Wow, fais pas attention au robot tueur. Est coincé. Donne-moi un coup de main. Prends l'autre côté. Yeah. Tony, on a de la compagnie. Pas le temps de se battre. En avant. Attention. Calme, ici tu supporteras pas ton poids. Calme, on y est presque. Calme, on y est presque. C'est con. On va pas mourir dans une boule de feu. Et la mauvaise ? Eh ben, on risque de s'étouffer avant. Au moins, on a une belle vue. C'est pas faux. Bon sang. On y était. Bon. Puisqu'on va mourir quoi qu'il arrive, t'aurais... peut-être une dernière confession. Tes blagues, je les comprends jamais. Oh, je sais. J'ai lu ton journal intime. Pourquoi détruire le réacteur, Cap ? Plein de gens sont morts. Il y avait quelque chose d'enterré, au fond de la baie. Une chose reliée au réacteur, qui remontait lentement vers la surface. Le séisme. Je devais réagir. La faille de San Andreas était prête à s'ouvrir. L'océan aurait englouti la ville, des millions de gens seraient morts. J'ai jamais douté de toi une seconde. Mais il fallait que je l'entende. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais qui voilà ? Je vais toujours devoir vous sauver la mise ? J'en attendais pas moins du dieu du tonnerre. Salut, Thor. Ravi de te voir, Captain.
George ? Cette idée était de toi. Stark était sur le point de tout nous prendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Je te faisais confiance. Je t'ai sauvé la vie. Tu peux contrôler des machines par la pensée. Réfléchis à toutes tu les... Tu m'as infecté avec son sang. Ça aurait pu me tuer. Mais tu es en vie. Rappelle-toi notre rêve, George. Comment as-tu osé m'infliger ça à moi, Monica ? C'est moi qui t'ai rendu fort. Tu m'as volé tout espoir. Et maintenant, je vais te donner les mêmes chances que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu as... Je débarrasserai la Terre des super-pouvoirs. Même si je dois donner ma vie. Je mange. Hé, salut, toi. Nat, c'est bon de te revoir. Écoute, si j'avais su que t'étais en vie, qui t'avait pris ? C'était pas ta faute. Tarleton n'était même pas au courant pour moi. Quoi ? Le EID ? Le piège ? Monica a engagé Taskmaster pour voler le cristal terrigène. Ces hommes ont amorcé les protocoles de sécurité pour mettre le Chimère en pilotage automatique. Mais ce qui s'est passé dans la baie, c'était inattendu. La signature thermique. C'est ce qui a causé les séismes qui ont détruit la ville. Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas. Nadj, je me demande vraiment si j'avais pas tous ces pauvres gens. Non. C'était pas ta faute. Ce vaisseau n'était pas censé avoir décollé. J'aurais fait la même chose. T'as été piégé. Je le savais. Désolée. Viens, il faut vraiment que tu vois ça. Captain Rogers, au nom de toute l'équipe, je peux vous dire que vous nous avez manqué. Merci, Jarvis. Je suis content d'être là. Depuis que le Chimère a failli s'écraser dans Manhattan, la situation a empiré. Je crains que l'AIM n'en profite pour intensifier les persécutions à l'encontre des Inhumains. Nous ne les laisserons pas faire. Le monde a besoin des Avengers, plus que jamais. Nous nous préparons pour notre ultime confrontation avec l'AIM. J'ai terminé l'analyse des schémas de Monsieur Stark afin d'équiper les Avengers pour cette mission, mais il nous manque plusieurs composants spéciaux. Merci, Jarvis. Il est temps de nous remettre en forme pour combattre. Voyons ce qu'il nous faut. Excellent, monsieur. Dans le cadre de cet effort conjoint, nous devrions sans doute aider nos alliés. Étant donné le contrôle étroit qu'exerce l'AIM sur les réseaux de communication à travers le monde, le commandant Hill et le Dr Pym ont des difficultés à coordonner nos opérations. Comment peut-on les aider ? Ils ont requis notre assistance pour détruire le principal centre de communication de l'AIM afin de faciliter l'union des forces de résistance. Allons leur rendre ce service, mon vieil ami. En parlant des médias, de plus en plus de chaînes d'information évoquent la coopération de notre cher Thor Odinson avec d'anciens scientifiques de l'AIM dans une région isolée de la Scandinavie. Probablement des images fabriquées pour servir la propagande de l'AIM contre les Avengers, mais cela mérite une enquête.
Je suis d'accord. Mets ton tort sur le coup dès que possible.